Écoutez, dès le premier jour, nous nous sommes mobilisés massivement. Les 800 personnes qui ont été mises sur le terrain, au plus près des besoins de la population, les 40 matériels hydrocureurs, les 240 pompes ont été déployées partout où les besoins étaient identifiés, sans limitation. Il était normal de se mobiliser massivement au regard de l'intensité de l'épisode pluvieux. On a eu un épisode pluvieux qui a traversé et qu'on a dû affronter, qui a traversé le Casablanca, qui était extrêmement sévère. Donc il fallait réagir massivement. On a 70% d'une saison complète qui est tombée en quelques jours, là où en une année, il tombe 100, là c'est 70 qui est tombé d'un coup, vous vous rendez compte, c'est extrêmement important. Donc des débordements sont apparus, des débordements qui ont perturbé la vie d'un certain nombre de citoyens, qui ont perturbé aussi le fonctionnement d'un certain nombre d'équipements. Donc il fallait que l'IDEC se mobilise massivement, l'IDEC s'est mobilisé tout azimut. Il reste encore, au moment où on parle, quelques lieux de stagnation qu'on est en train de pomper, y compris chez les habitants, y compris dans des milieux éloignés, certains quartiers sous-équipés. Nous sommes pleinement engagés et on le fera jusqu'à ce qu'il y ait encore un appel qui soit vis-à-vis de l'IDEC. La sévérité en fait, de l'épisode pluvial et les débordements qui sont apparus cachent quand même un principe qui est celui de la croissance de la ville, l'urbanisation galopante de la ville, qui est une caractéristique de cette grande métropole, et puis les réseaux d'assainissement pluviaux qui ne se modernisent pas et qui ne s'étendent pas à la même vitesse. C'est ça l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à Casablanca, c'est d'être capable de rattraper le rythme d'urbanisation pour que là où on tire une nouvelle route, eh bien il y a le réseau pluvial qui soit mis en place, pour que là où il y a de nouveaux ruissellements par rapport de surfaces imperméabilisées par une urbanisation nouvelle, un ruissellement qui vient sur les anciens réseaux, qu'on redimensionne ces réseaux ou qu'on mette en place des feeders nouveaux pour tenir compte de ces apports supplémentaires, eh bien c'est tout ça que l'on propose, qu'on a déjà proposé, et pour lequel il faut se mettre autour d'une table pour identifier les moyens de financement, parce qu'il y a un enjeu aussi financier derrière cela. Vous savez, ce sont des chiffres importants, des sommes importantes qu'il n'est pas facile de mobiliser comme cela. Donc pour avancer dans ce domaine-là, il faut travailler par priorisation. Donc à l'époque, des idées avaient été émises pour trouver des financements. Ils n'ont pas encore pu être mis en place. Il faut réfléchir à d'autres solutions, des mécanismes peut-être de sollicitation plus importantes des engagements du délégataire, pourquoi pas, dans des conditions de contrat à ce moment-là à redéfinir. C'est un mécanisme éventuellement de subvention, d'emprunt, tout est possible. Il faut que les acteurs se mettent autour de la table. Il ne m'appartient pas de décider quoi que ce soit dans ce domaine-là, mais simplement d'attirer l'attention sur les besoins et de faire des recommandations peut-être sur des possibilités d'accès à des financements. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.